Salut à tous les amis, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je vais super bien, je suis super content. Là, j'ai enfin l'accessoire que je voulais vous présenter pour le Rhône AS. Le Rhône AS est un stabilisateur 3 axes. Là, il me manquait un accessoire et il est là, je l'ai. C'est une poignée. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers des stabilisateurs, ceux qui connaissent la marque DJI et le Rhône AS, voilà, vous savez que c'est difficile de trouver un handle de qualité, bien fait. Donc pour l'instant j'ai pas trouvé, j'en ai acheté un qui était de très mauvaise qualité, je l'ai renvoyé. Voilà, là aujourd'hui Small Rig m'a envoyé cette poignée qui vient se fixer par le dessous du stabilisateur. Et franchement les amis, ça fait le taf, vraiment. Ça remplace pas un handle, un dual handle, mais c'est une poignée qui vient vraiment aider, en tout cas à alléger, on va dire, un petit peu le poids du stabilisateur. Elle ne fait pas que ça, il y a aussi pas mal de systèmes de fixation hein, qui vont nous permettre de venir mettre pas mal de choses un petit peu partout. Chaque système de fixation qu'on va retrouver sur la poignée, ça va permettre de venir mettre un écran, un micro, de la lumière, enfin ce que vous voulez, tout ce qui peut être fixé en externe en tout cas. Donc du coup, au niveau des caractéristiques, parce que cette vidéo va pas être longue du tout, hein, il n'y a pas grand chose à vous présenter. Au niveau des caractéristiques, on a la poignée et sur le dessus, on va retrouver un système flash. Voilà, on va pouvoir venir y glisser un petit système flash là-dedans et pouvoir fixer quelque chose sur le dessus de la poignée. De chaque côté de la poignée, on va aussi avoir un pas de vis où on va pouvoir venir y mettre un bras articulé, toujours pour la même chose, fixer des accessoires en externe. À la base de la poignée, on a cette espèce de fixation un peu en carré, enfin c'est pas vraiment un carré, mais il y a des pas de vis tout le tour où on peut là aussi venir accrocher d'autres accessoires. Je suis pas sûr que je les utiliserai ceux-là, mais en tout cas ils sont là, hein, voilà, ils ont l'honneur d'exister, on va dire. Ça peut être utile pour certains d'entre vous. Moi personnellement j'en aurais pas l'utilité, je pense pas. Chose qui est bien et qu'il faut retenir, c'est que en dessous de la poignée, là où vous voyez le trépied, il y a plusieurs pas de vis de tailles différentes pour justement venir y mettre, là par exemple moi, mon trépied. Et ça c'est top parce que du coup je suis pas obligé de sacrifier mon trépied pour mettre la poignée. Voilà, si je veux poser mon stabilisateur parce que j'ai mal au bras ou parce que je fais une pause, eh ben je déplie le trépied, je pose le stabilisateur et c'est parfait. Voilà, donc là vous voyez, je fais quelques petits mouvements simples hein, avec la poignée et le Rhône AS. Franchement, ça allège énormément le poids, on sent beaucoup moins la douleur au niveau des avant-bras, surtout quand vous taffez sur de longues heures et tout ça. Franchement, moi je dis merci Small Rig parce que je commençais à être un peu dégoûté de ne pas trouver ce type d'accessoire. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas possibilité d'en fixer encore un autre de l'autre côté pour essayer de créer une espèce de dual handle. On va voir, si jamais c'est faisable, je vous enverrai un petit message sous cette vidéo pour vous dire, bah écoutez, c'est faisable, c'est cool, ça fait un espèce de petit dual handle, pourquoi pas l'utiliser comme ça. Voilà, je vois pas ce que je peux vous dire de plus sur cet accessoire, sinon qu'il est excellent, vraiment. Je vous mets le lien dans la description, si vous voulez vous le procurer, allez-y. Foncez parce que vraiment ça va vous faciliter le travail. Ça fait juste plaisir. J'ai juste envie de dire merci Small Rig. Voilà les amis, cette vidéo elle s'arrête ici. Hein. J'ai pas grand chose à vous expliquer de plus sur une poignée. Hein. Voilà, c'est juste une poignée. Mais voilà, je vous fais des bisous. Je vous remercie en tout cas. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.